لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc nous sommes au Burkina Faso, dans la périphérie de Ouagadougou. On est venu pour notre mission humanitaire. Donc là, nous sommes au village de Tema et on a pu forer un puits ici. Donc le puits, nous l'avons appelé Abou Bakr al-Siddiq en honneur de notre premier calife, le premier calife de l'islam qui est un des annoncés au paradis, Abou Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Donc aussi, nous allons faire les autres puits au nom de d'autres sahaba. Et Inch'Allah, chaque puits qu'on va faire par la suite, on va lui donner un nom de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vous avez facilité à ce village avoir un accès, un point d'eau pour pouvoir faciliter leur quotidien, pouvoir se laver, pouvoir boire, pouvoir aussi permettre aux animaux de s'abreuver. Alhamdulillah, on a foré ici le deuxième puits qu'on a appelé Jubal ibn al-Awam. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Pour vous expliquer un peu les étapes du forage du puits, donc nous avions assisté au forage qui a amené au jaillissement de l'eau boueuse. Maintenant, ils vont mettre ces tuyaux en PVC afin de canaliser l'eau jusqu'à la surface. Et là, on va pouvoir assister au jaillissement de l'eau saine, Inch'Allah. Donc alhamdoulilah, on vient d'assister à la sortie de l'eau. Ça a été vraiment un moment de joie pour tous les villageois. On voit même qu'ils se sont tous rassemblés et on a vu les sourires, on a vu la joie dans leur visage et dans leur cœur.
Donc là, Inch'Allah, maintenant, on est avec notre frère Hassan, Tempouré, qui fait partie des sages du village. Donc il parle en arabe. Je vais lui poser des questions pour voir ses sentiments, la joie qu'il a reçue durant justement la sortie de l'eau. طيب يعني حدثنا عن شعورك بعد أن فاجرت الماء. الحمد لله رب العالمين الحمد ربي كثيرا ونشكر جزيل الشكر على هذه المؤسسة اللي يقوم بهذه الهدية ونسأل الله له بالتوفيق والسعادة في الدارين. صح كي سوقنا التجارة معك ده يعني رانا فرحانين كثير من حيث أننا كنا على غاية صعوبة يعني في الماء لأن الماء هنا يعني راح شوية ناقص مع الناس الماء حتى بتتوزع عندك صعوبة حتى عندك تطهير عندك صعوبة كان عندنا مشكلة عامة في الماء تعرفون أن الماء سر الحياة في العبادة وفي كل شيء إذا نحمد الله كثيرا بأن وجدنا والله البئر هذا انفجرت الماء ونشكر جزيل الشكر على الجمعية اللي يقوم بهذه النشاطات ونشكر جزيل الشكر وندعو الله له بالتوفيق Donc c'est un message extrêmement beau qu'il vous a transmis. Donc il vous informe qu'il vous remercie énormément, énormément, et que sa joie et que son cœur est rempli de joie. Et il disait que aujourd'hui ils vont pouvoir sentir beaucoup plus de facilité. Et subhanallah, regardez les exemples qu'il cite. Il n'a pas parlé de boire ou de quoi que ce soit, il a dit simplement pour faire les ablutions. Il disait qu'on avait des complications pour faire de se purifier, pour prier notre Seigneur et adorer notre Seigneur dans des conditions convenables. Il dit alhamdoulilah, aujourd'hui ce problème sera réglé et on pourra faire nos ablutions correctement. Donc il vous remercie énormément et remercie tous les donateurs de Nouvelle Optique. Wa jazakumullahu khaira. Donc là on est devant la madrasa du même village où on a foré le puits. Donc alhamdoulilah il y a une madrasa aussi dans le village. Et alhamdoulilah le puits on l'a pu le forer pas loin de la madrasa. Ce qui va leur permettre de pouvoir faire leurs ablutions pour leurs adorations, pour pouvoir prier, sachant qu'avant ils avaient beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau pour pouvoir se purifier. Alhamdoulilah par la permission d'Allah Azza wa Jal et ensuite vos dons, alhamdoulilah on a pu leur forer un puits, ça va leur faciliter leur quotidien. Ils pourront se toucher tout le temps et pourront avoir de l'eau pour faire leurs ablutions. Alhamdulillah, ça c'est une grande ni'ma d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah vous le mette dans votre balance en qiyama. Jazakumullah khair. Ici, on a une souffrance d'eau dans le village. C'est ainsi que nous sommes venus à côté de vous bon, pour vous demander de l'aide, de l'eau. Envers l'eau, ici. Sinon, la population souffre d'eau. Oui. Inch'Allah. Oui. Votre village, il s'appelle comment? Kamwassin. Kamwassin. Oui. D'accord. Vous êtes combien à peu près dans le village? Bon, pas moins de 300 à 400. 300, 400 personnes? Oui. D'accord. Et là, là où vous allez chercher de l'eau, c'est à combien de kilomètres? Trois. D'autres même pour moi, pour ne pas avoir de souffrance envers l'eau. D'autres même pas environ 5 kilomètres. 5 kilomètres? Oui, oui. D'accord. Oui. D'accord. Inch'Allah, on rentre en France et on va essayer de faire le nécessaire, Inch'Allah. Bon, sinon, nous sommes sous vos mains. Inch'Allah. Vous, sous les mains d'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire en sorte à ce que vous ayez votre puits et nous, on sera que les causes. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Nous comptons sur vous. Inch'Allah. Donc là, mes frères et sœurs, nous sommes sur la route du village de Kikris Gogo. Donc sur la route, ils ont un village s'est réuni. Ils savaient qu'on allait passer par ici et ils nous ont sollicité de l'eau. Donc vous voyez, l'engouement qu'ils ont à demander de l'eau, subhanallah, ça fait presque 27 ans qu'ils n'ont pas d'eau dans ce coin-là. Donc bi'idhnillah, on va faire le nécessaire afin que dans notre prochain voyage, ils aient un puits. Donc on compte sur vous, mes frères et sœurs, sur votre générosité. Et sachez que c'est une sadaqa jariya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Salam alaykoum Allah. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Que vingt hommes. Alhamdulillah. Salam alaikum. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله نعمة من الله. Donc alhamdulillah, ça c'est le financement d'une sœur pour ses parents défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la miséricorde et el firdaus el a'la. Donc on incite nos frères et sœurs en France à donner pour les projets de puits. Car aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on est sur une région où il n'y a pas d'eau du tout. Donc alhamdulillah, les frères restent des années comme ça sans eau. Comme un village qui est juste à côté, on va dire à peu près à 6 km, et ils n'ont pas d'eau du tout depuis 27 ans. Donc nous, on va faire le nécessaire, bi'idhnillah, afin que les villageois soient facilités dans leur quotidien. Donc alhamdulillah, on est arrivé dans le village de Ouéla, dans la région de Koudougou. Donc alhamdulillah, on a forestier le deuxième puits qu'on a appelé Zoubel ibn al-Awam. Alhamdulillah, par la permission d'Allah Azza wa Jal, ensuite vos dons, alhamdulillah, on a pu faciliter à ce village pour qu'ils ont de l'eau constamment, pouvoir faire leurs ablutions et faire leurs douches et avoir de l'eau au quotidien, d'entendre leur vie tous les jours. Donc, alhamdulillah, on voit tous les enfants, ils sont réunis, les gens du village autour du puits, ils sont très contents d'avoir de l'eau constamment aujourd'hui. Alhamdulillah, on a pu mettre de la joie dans leur cœur et leur faciliter leur quotidien. Jazakumullah khair.